Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui, ce 5 décembre, pour découvrir mon coup de cœur du jour. Aujourd'hui, je vais vous proposer un joli duo et je suis trop contente de pouvoir vous proposer ça. Parce que ce sont des produits qui sont relativement onéreux, qui sont de belle qualité. C'est une marque que j'affectionne tout particulièrement, ainsi que sa créatrice. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, ces produits que je vous présente, ces marques que je vous présente, c'est parce que je suis en contact avec ces personnes. C'est des personnes que je tutoie, avec qui on partage en dehors d'un partenariat, si vous voulez. C'est plus qu'une collaboration en fait de travail, et c'est ce que j'aime tout particulièrement. C'est vraiment des échanges avec des vraies personnes avec qui on discute de notre vie privée, avec qui on a des vraies affinités en fait sur beaucoup de sujets, et c'est ce que j'aime beaucoup. Et là aujourd'hui, je suis vraiment très contente. Oh, j'ai eu peur, je croyais que ça filmait plus. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment très contente de pouvoir vous proposer, en fait, de découvrir, en fait, cette marque-là. Je vous en avais déjà parlé, donc, dans une précédente vidéo, dans un de mes coups de cœur, je ne sais plus de quand, je vous le mettrai par ici. Et également, dans l'article relié, vous pourrez trouver ce que j'ai déjà consacré, en fait, à cette marque. Et je vous en avais parlé également au mois de septembre, je crois. Ça devait être dans un des vlogs de rentrée, puisque j'avais reçu ces produits à ce moment-là. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux produits, alors que j'ai vraiment eu, pour lesquels... oh là là, comme j'arrive plus à parler français aujourd'hui. C'est le week-end, c'est dur. Alors, pour lesquels j'ai eu un véritable coup de cœur, un réel coup de cœur. Et... alors, je sais que ce sont des produits aussi qui sont onéreux et que tout le monde ne peut pas se payer. Moi, déjà, la première, ce sont des produits que je m'achèterai vraiment juste pour me faire plaisir. Et bien évidemment aussi parce que je les aime beaucoup, mais que je ne pourrais pas me payer en fait tout au long de l'année. Ce serait vraiment, vous voyez, cet achat plaisir, un petit peu comme l'huile de figue de Barbarie que je m'offre une fois de temps en temps, vous voyez, pour une occasion un petit peu spéciale. Et... là, aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse parce que la marque, elle va vraiment vous gâter, en fait, à la fin de cette vidéo, parce que on a mis en place deux très jolis lots, et vraiment qui ont une grosse valeur, et c'est pour ça que ça me tient tout particulièrement à cœur. Et donc là, voilà, je vais vous présenter deux produits que j'utilise maintenant depuis quelques temps. Il y en a un que j'ai, on va dire, voilà, j'ai utilisé un tiers déjà, et l'autre un petit peu moins, mais c'est parce que je les économise aussi. Je vous expliquais tout ça. Le premier produit dont j'ai envie de vous parler, c'est un sérum anti-âge, et donc là, c'est un sérum de nuit. Alors, j'en ai déjà essayé plusieurs de cette marque-là. Isabella m'en a envoyé plusieurs d'ailleurs cet été aussi, mais là, j'ai eu un véritable coup de cœur pour celui-ci. Donc, qui est le Nuit de Rêve, donc un sérum anti-âge. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un mélange en fait d'huile végétale, qui sont considérées comme bonnes pour prendre soin de notre peau, pour vieillir en toute beauté, on va dire. Et là, en fait, il est couplé à de l'huile essentielle d'orange douce. Donc, il sent en fait la fleur d'oranger. Et autant vous dire qu'au niveau olfactif, c'est un pur bonheur. Ah là là, si vous aimez ce parfum-là, vraiment tentez votre chance à notre concours, parce que vous allez adorer. Donc là, ce que je fais, en fait, moi, le soir, j'en prends seulement 2 gouttes que je mélange à mon huile de nigel, parce que l'huile de nigel, j'y tiens énormément, parce que elle m'aide vraiment à réguler mes soucis de peau, mes petits soucis d'imperfection. Et là, donc, ça coupe aussi un petit peu l'odeur de l'huile de nigel, que j'aime pas spécialement, que je tolère, on va dire, parce qu'elle fait vraiment des merveilles sur ma peau. Mais du coup, ça me permet aussi d'économiser un petit peu mon flacon de nuit de rêve. Donc, je mets 2 gouttes, en fait, de nuit de rêve, 2 gouttes d'huile végétale de nigel. Je vais y arriver aujourd'hui, je vous promets. Donc, je viens les réchauffer dans ma main, et ensuite, je viens masser mon visage qui est encore un petit peu humide grâce à mon hydrolat. Et donc là, je masse mon visage, et juste avant de masser mon visage, quand je réchauffe en fait l'huile dans mes mains, je viens faire 3 longues inspirations. Et le fait de sentir cette odeur en fait de fleurs d'oranger, ça vient vraiment m'apaiser, et ça fait partie de mon rituel du soir. Et autant vous dire qu'en cette période où on était confinés, cette période un peu difficile, vous savez, où des fois vous avez un mood qui est pas terrible, que le temps est pas terrible, qu'on a un petit peu du mal à se mettre dans les belles vibes de Noël. Écoutez, ça fait vraiment un bien de fou, croyez-moi. Et donc voilà, donc là je l'utilise tous les soirs depuis un petit moment déjà, depuis que j'ai terminé en fait mon huile de noisette. Je vous referai une vidéo routine, ne vous inquiétez pas, vous avez été tellement nombreuses à me mettre des messages que voilà, je vous promets, je vais essayer de la filmer le plus rapidement possible. Et donc j'aime beaucoup combiner ça, donc cette année ils ont sorti une brume d'oreiller. Moi vous savez à quel point j'aime les brumes d'oreiller, j'en ai fait déjà moi-même. J'en ai eu plusieurs de plusieurs marques déjà. Le problème avec les brumes d'oreiller, je trouve, c'est que on vaporise dessus, ça sent très bon sur l'instant, mais l'odeur ne reste pas. Mais alors celle-ci, alors clairement, elle vaut son prix. Mais vous voyez, moi je l'utilise tous les soirs depuis le mois d'août ou de septembre maintenant. J'en vaporise seulement une pression sur mon oreiller, une pression sur l'oreiller de mon fils, parce que lui aussi, mon petit de 12 ans, il adore, on en raffole, ça sent le bonbon, ça sent la fleur d'oranger, c'est absolument délicieux, c'est divin le soir quand vous allez vous coucher, et l'odeur elle reste quand même relativement longtemps, et ça c'est super agréable, parce que du coup je la vaporise donc dans nos deux chambres, quand mon fils va se coucher, donc aux alentours des 21 h, donc moi je traîne quand même un petit peu encore devant la télé en général, et quand je vais me coucher aux alentours des 22 h, l'odeur est encore présente en fait sur ma tête d'oreiller, et c'est juste un pur bonheur pour venir me coucher. Alors maintenant je vais pas vous dire que je dors mieux grâce à ça ou quoi, mais le bonheur en fait de rentrer dans sa chambre qui sent bon, de rentrer dans ses draps qui sentent la fleur d'oranger, c'est tellement apaisant, c'est tellement réconfortant, c'est vraiment un moment de bonheur. Et ben rien que ça, ça fait partie de mon rituel du soir. Et je sais pas si vous le savez, mais le fait d'avoir un rituel tous les soirs, de pratiquer les mêmes gestes, de faire ça pendant au moins 3 semaines. Alors moi je sais que mon petit rituel du soir, c'est par exemple déjà le démaquillage, prendre soin de moi avec des produits qui me font plaisir, qui me font du bien, qui font du bien à ma peau, prendre un petit thé ensuite, vaporiser cette brume d'oreiller, boire mon petit thé, regarder une petite série, allumer un bâton d'encens, des bougies, enfin voilà, vous savez, tout ce petit rituel cocooning avec lequel on peut s'entourer de douceur pour s'amener à plus de sérénité, à un moment paisible en fin de journée, à vraiment décompresser, et bien tout ça, ça nous aide à bien dormir. Et moi, ça fait quelques jours maintenant, ça fait plusieurs jours maintenant que je redors de nouveau bien. Et honnêtement, c'est tellement plaisant, ça fait tellement du bien que je suis heureuse. Et si ce petit rituel peut vous aider aussi à vous coucher un petit peu plus apaisé le soir, bah écoutez, j'en serais ravie. La méditation m'aide aussi beaucoup. Je vous avais fait 2 méditations déjà sur la chaîne, je vous les mets donc dans le petit. Une méditation d'urgence vraiment pour vous calmer rapidement. Une méditation un petit peu plus longue pour vraiment vous aider à vous détendre et à lâcher prise. Et je sais que ce sont 2 méditations qui en ont aidé pas mal d'entre vous, et donc je vous en remercie pour les retours que vous m'avez fait dessous. Alors aujourd'hui avec Isabella, on vous met 2 lots en jeu. Donc 2 lots, vous pourrez découvrir ce magnifique combo. Donc la brume d'oreiller avec le sérum Nuit de Rêve, et il y aura donc 2 gagnants ou 2 gagnantes. Je dis toujours gagnant, mais c'est parce que c'est toujours long de mettre sur les 2 termes, voilà. Bon, en tout cas, je pense que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc, dès maintenant, rendez-vous sur le blog. Le concours est ouvert pour une durée de 8 jours. N'hésitez pas à vérifier aussi les modalités de participation pour voir si vous rentrez bien donc dans les concours, enfin dans le concours. Moi, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite également une belle fin de journée, une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à demain donc pour mon coup de cœur du 6 décembre. Bonne soirée, bonne journée et puis à plus. Ciao!